Ça veut dire, il a fait quoi comme météo aujourd'hui? 3 degrés, janvier, au nord du Québec. Voilà à quoi ressemble l'état de la ville un 2 janvier en plein hiver au nord du Québec. Le gazon est littéralement vert. Il y a plus de neige. Where is the neige? Yo bro, moi j'essaie de comprendre. Mes parents, ils m'ont fait déménager au nord du Québec. Moi dans ma tête, je pensais que j'allais déménager au nord du Québec. Genre moi dans ma tête, je pensais que j'allais devoir aller à l'école en quille. J'allais devoir utiliser des raquettes pour marcher jusqu'à le dépanneur. Et vous me dites, je suis littéralement une espadrille. Je marche, j'ai un pantalon. Est-ce que vous savez, genre les gens qui mettent deux pantalons, ils savent de quoi je parle. Mais genre quand on met un pantalon, ça veut dire que genre littéralement il fait chaud, on est honnête. Genre, je mets un pantalon. Moi, j'ai l'impression que sur un été, ok, bon, là, un cache-cou, je porte mon pull et tout. Mais c'est quoi le délire, wesh? Genre, soit dans des kilomètres, des mètres et des mètres, il y a pas de neige. Le gazon, il est vert. On dirait, on est en août. Waouh, regardez-moi cette voiture. Waouh, on dirait les petites voitures de mon frère, mais genre en mode XXL. Regardez, le gazon, il est vert. Ok, vous voyez pas, mais moi, je vous dis, il est vert, donc vous me croyez. Je sais pas si vous voyez, genre, mais ça s'appelle la cage. Genre, les Québécois, ils se rejoignent tous ici, puis ils regardent un match de hockey, puis genre. C'est une brasserie et tout. Oh my god, tu vas me faire écraser. On est le 2 janvier 2022, comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, c'est vraiment critique. Je voulais parler d'un sujet qui me tenait à cœur. J'ai enlevé mon casque parce que j'agis comme si on était en moins 30. C'est même pas froid là. J'agis comme si on était en moins 30. Vous savez, il a fait quoi comme météo aujourd'hui? 3 degrés, janvier, au nord du Québec. Allez hop, on y va les amis. Let it go! Aujourd'hui, je voulais parler de la crise de la youtuberie. En fait, ceux qui ne connaissent pas, c'est moi qui viens de la voter il y a 3 secondes. En fait, je vais vous expliquer, c'est parce qu'en ce moment, je sais plus quoi filmer. Genre, je travaille en temps plein, je suis étudiante, je suis une adolescente et j'habite dans un village. So, je sais pas de quoi parler, j'ai absolument plus rien à documenter. J'ai tout montré ce qu'il y avait dans mon village. Je sais plus quoi faire en fait. Je vous aime et tout, mais bon. Attendez, on va rentrer dans le magasin parce que là, on est dans le stationnement et genre, tout le monde est en train de me regarder. Soit des pulls blancs pour la seule et unique raison parce que je passe beaucoup trop de temps le matin à me chercher des vêtements. Et là je me suis dit que si j'avais encore plus de couleurs neutres dans mon plat, je perdrais encore moins de temps. Mais c'est parce qu'en fait moi j'aime les trucs avec des capuches. Puis le seul truc que j'ai avec une capuche en ce moment, c'est le pull de mon secondaire qui appartient même pas à moi mais à Alice. Regardez, c'est Guillaume. C'est la fille qui est une star du village. Et mon état est critique, ça se voit, genre j'ai pas dormi, genre on voit mes soeurs et tout. Oh là là. Bon, bref, on est au Tigre Géant, c'est le Dolorama version villageois. Moi, chaque fois que je vois des monde, je vous jure, c'est un attrapé à genre. Je vais comme une mousse sur genre de la nourriture. C'est genre, madame, un gars des montres. Voilà. Non, si vous voulez m'offrir des cadeaux, achetez-moi des montres. Hey, je suis choquée, j'ai quasiment dépensé 100$ pour du pain et des vêtements. Non mais c'est des vêtements. Genre j'ai acheté deux cargos, deux chandails noirs et deux paquets de pain là. Et quelqu'un qui est en train de me flasher avec ses yeux. Je sais pas si c'est genre mon père qui me fait encore un signal ou c'est juste quelqu'un qui est en train de se stationner. Bref, on rentre à la maison et hey, je vais vous faire un haul. Vous êtes pas prêts hein?